Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Écoute-moi bien, Captain America, j'arrive chez toi te voler ton véhicule. Salut à tous, c'est Mimi, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui, on va voler la voiture de Captain. Dans les commentaires, vous avez reconnu Captain America. Et ouais, c'est bien lui, voilà, c'est Captain America, voilà, tu dégages, voilà. C'est tout, j'en ai marre de toi. Du coup les gars, aujourd'hui, on va voler la voiture de Captain America. Après avoir volé Spider-Man, Iron Man, voilà, tout ce qui s'en suit, Venom, etc. On vole Captain America aujourd'hui. Si vous voulez un autre épisode avec un autre super-héros, votez dans les commentaires à le prochain super-héros, hein. Vous avez demandé Captain America, bah je l'ai fait du coup. Et du coup, le top commentaire sera choisi pour le prochain épisode, donc mettez un max de commentaires, vous serez peut-être choisi. Donc voilà, hein, il y a Black Panther, il y en a encore plein, il y a Thanos, il y a plein de super-héros encore à faire. En tout cas les gars, c'est parti, let's go, on arrive, un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, ciao ciao. Ok les gars, cette fois-ci les gars, on va voler du coup bah, le véhicule de Captain America. Et Captain America, son poids fort, hein. On rappelle que Captain America c'est quelqu'un qui est assez puissant, hein, on le rappelle. Et qui a également, voilà, il a un bouclier. Clairement, son boubou là, il le prend comme ça, il te met un coup de bouclier, c'est fini. Il peut t'envoyer son bouclier, il peut te porter, il peut te soulever, il est baraque. Voilà, c'est Captain America, quoi, j'ai envie de dire. Donc là, clairement, j'ai peur. Il a acheté une maison juste ici. Voilà, c'est juste ici. D'ailleurs, cette maison me dit quelque chose. C'est bon, je sais pas pourquoi il a acheté cette maison. Hein, on va aller voir ça. On va y aller en moto, parce que bon, je me suis dit, c'est quoi la voiture, j'en ai un peu marre. On va y aller en moto tranquillement, voir ce que ça donne. Ok, les gars, on arrive juste à côté de la maison de Captain America qui se trouve juste à notre gauche. Donc c'est ma secrétaire qui a dit que c'était ici. Le problème c'est que j'ai peur que Captain America soit là. Et je crois que j'ai vu une silhouette les gars. J'ai vu quelque chose. Je vais peut-être pas très vraiment m'aventurer là-dedans. Ok. Captain America, où es-tu? Ne dites pas que Captain America, s'il vous plaît, je veux pas qu'il soit là. Captain America, s'il te plaît, ne sois pas là. Non! Pourquoi il est là, les gars, Captain America? Why? Why? Why il est là? Why il est là? J'en ai marre, j'en ai marre. À chaque fois, ils sont là, ils nous attendent, ils sont chez eux. Mais sortez, allez faire les courses, allez au supermarché, je sais pas moi. Ils font rien, ils font rien. Bon, vous savez quoi, les gars? Au bout d'un moment, voilà, moi, on va parler de vous à moi. J'en ai marre. J'en ai marre à chaque fois de me faire victime par les super-héros. J'en ai marre. Tu sais quoi, Captain America? Moi et toi, on va se la régler. Ok? On va se la régler, mon gars. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Je te le dis, c'est fini. Je vais tenter un truc, les gars. Je me suis équipé d'une arme assez puissante pour pouvoir assommer Captain America. On va tenter le tout pour le tout. On va essayer d'aller chercher Captain America, de le buter. Mais il faut qu'on rentre discrètement. C'est parti. Let's go. Ok les gars. Alors par contre je sais pas ce qu'il a du tout comme voiture. Oh les... On passe juste à côté les gars. On fait un petit checking. On fait comme si on était des citoyens normaux les gars. On a un habitant normal. Wow. Ok, ça fait tendu les gars. Oh my god. La Ferrari de Captain America. Regardez sur le côté le bouclier et tout. Ok. Bon, Captain America, je suis équipé d'une arme puissante. Et je suis venu tout simplement te tuer, Captain America. Ok. Tu veux me faire du mal? On va se la régler, nous deux. On va se la régler, Captain America. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir ce que je vais te faire. Ok, j'arrive maintenant. Doucement, les gars. Doucement. Doucement. Il nous a pas vu. Il nous a pas vu, les gars. Il nous a pas vu. Captain America nous a pas vu. Regardez les gars, il y a une... Oh là 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 là. McLaren. C'est une McLaren. Il y a une McLaren. Il y a une 4x4. Il y a... Oh là là, c'est trop ce qu'il y a chez lui. Ok, je vais tenter un coup de bigot. Une proximité. Je vous garantis rien. C'est la première fois, il est juste ici, Captain America. Ouf, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il faut que je prête. Il faut que je recule un petit peu. Tout doucement, tout doucement. Il m'a pas entendu. Il m'a pas entendu. Ok, on vise la tête. Captain! Oui! 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 J'ai assommé Captain America, les gars. J'ai assommé Captain America. Oh my god, j'ai peur. Je vous le dis, j'ai peur. Est-ce que je peux voler sa tenue? Faut penser, les gars. Les gars, bah oui, on va prendre sa tenue. Allez, je vais prendre sa tenue, les gars. Je vous jure, je prends sa tenue. Je prends ta tenue, Captain, c'est parti. Ok, les gars. Ok, les gars. Oh putain. Oh. Holy shit. I am Captain America. Oh my god, les gars, j'ai la tenue de America. Oh là là, Captain America, j'ai ta tenue, j'ai sa tenue, j'ai sa tenue, j'ai sa tenue. Et les gars,
Est-ce que j'ai ces pouvoirs? Alors attendez, est-ce que je peux mettre un coup de bouclier? Oh shit, oui, on peut mettre un coup de bouclier, les gars. Ok. Je peux faire quoi d'autre? Je sais pas, je peux faire quoi d'autre? J'ai les pouvoirs de Captain America, je crois, les gars. Oh non, mais attendez, est-ce que j'ai vraiment ces pouvoirs ou pas? Attendez. Je vais envoyer le bouclier. Oh shit, on peut envoyer le bouclier? Ah ouais, mais il y a une vitre là, il y a une vitre. Je sais pas, je vais l'envoyer sur. Bah tiens, je vais l'envoyer sur sa voiture. Oh! What the fuck, c'est quoi ça? Ok, je tape le sol. Je peux envoyer mon bouclier. Wow, ouais. Non, mais c'est trop. C'est trop, les gars. C'est vraiment beaucoup trop. Ok. Les gars, regardez ce que je peux faire. Je peux l'envoyer, ouais. Voilà, on dégomme Lazarusso, les gars. Au bout d'un moment, moi j'en ai marre de me faire victime. À chaque fois, je me fais victime. À chaque fois, je me fais victime. Tout le temps, ils me cavalent. Ils me font du mal. Ils me cavalent tout le temps. Ils me cavalent, ils me tapent, ils me tuent et tout. Non, au bout d'un moment, il faut taper Captain America. Il faut taper les super-héros et prendre ses pouvoirs. Et on est là pour voler, du coup, la Ferrari de Captain. Ah ouais, je cours vite aussi. Ouais, par contre, il y a des petits trucs bizarres. Je cours vite, apparemment. Bon, non, il y a les flics. Bon, on s'en fout, après on est Captain America. Il n'y en a pas peur. Oh my god, regardez-moi cette Ferrari. On l'a vue au début. Elle est incroyable. Elle est beaucoup trop incroyable avec les trucs sur le côté là. Regardez, bah, en fait, il y a le logo de Captain America. Enfin, le bouclier, c'est une Ferrari. On a le truc d'essence. Regardez le truc d'essence. C'est Captain America. Ah ouais, non, mais c'est trop. C'est beaucoup trop, les gars. Bon, on va tester cette vitesse et ramener la voiture de Captain America pour une fois qu'on se fait pas des gommes. En tout cas, elle a l'air d'aller très vite. C'est la Ferrari. La Ferrari, pour ceux qui se demandent, bah de chez Ferrari. Du coup, pour le coup, c'est magnifique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle prochaine super-héros vous voulez qu'on aille chercher. Vous voulez qu'on aille voler le véhicule de qui? De Thanos? De Black Panther? Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi, c'est à vous. Il y en a encore plein des super-héros. Il y a Captain America, il y a Deadpool. En tout cas, croyez-moi que c'est tout simplement incroyable cette Ferrari, elle est magnifique. Pour ma part, je sais pas dans les commentaires si vous préférez celle-ci ou pas par rapport aux autres Ferrari qu'on a pu voir bah, jusque-là. Mais personnellement, ça c'est totalement un kiff et je vais la ramener et bah, du coup chez Franklin, bah, chez moi en fait tout simplement. Et je vais tester si les portes de Captain America sont puissantes. Ok, on arrive près de la maison les gars, hein, et croyez-moi que cette Ferrari, la Ferrari va faire fureur et elle va, figurez-vous, je pense, les voisins vont être jaloux. Alors personnellement, je ne sais pas dans les commentaires si vous, on vous vend une Ferrari comme ça, est-ce que vous l'achèteriez ou pas? Genre une Ferrari en mode Captain America. Je pense que c'est magnifique. Elle est trop bien assortie. C'est vraiment abusé. C'est sa voiture quoi. Et c'est une Ferrari. C'est abusé. Je vais prendre son bouclier. Ah bah non, non. Tu la poses. Voilà. Bon, tu l'as fait un peu mal, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, du coup, regardez le bouclier et tout. C'est à peu près le même. Hein. C'est le même. Hein. C'est quasiment le même. Bon, c'est pas le même à 100%, mais on est pas mal. Eh bien, écoutez, on va tester ça. Je vais jeter mon bouclier. What? Ah ouais, il revient en fait. Attends, sur lui, on va tester. Est-ce qu'il peut? Non, mais il fait pas trop de dégâts. Ça par contre, ça je kiffe ça. Pouah, regardez cette puissance. Holy shit. Bon par contre, on peut sauter un petit peu. Ouais, c'est vite fait. Les sauts, c'est vite fait. Par contre, Captain America, il court assez vite ou pas? Ouais, ça va. Ça va, ouais. Il court vite quand même. Il court vite. Il court vite, mais pas. C'est pas flash, quoi. Ah ouais, aussi, quand même un peu, quand même un peu. Bon, du coup, les gars, je suis actuellement à Vinwood et je vais tester le bouclier. Alors attendez, hop, hop, reviens ici. Faut que je teste le bouclier sur un PNJ. Ils sont en train de fuir. Regardez ça, par contre, je kiffe ça. Ça là. Pouh, pouh, pouh. Le véhicule il vole en l'air, les gars, c'est abusé. Mais est-ce que un bouclier quand il revient? Ah ouais, voilà, on l'a fait tomber, voilà ça que je voulais tester du coup. Ok, le bouclier revient. Voilà, j'ai envie de tester. Non, en fait non, il la repousse pas vers l'arrière. Vous voyez ce que je veux dire?
Genre, il ramène la meuf avec, avec le bouclier, mais pas du tout. Ça marche pas. En tout cas. Oh. C'est quoi, j'entends là? Ok, j'ai cru que c'était les flics. Par contre, ça, c'est magnifique. Tu viens ici. Voilà, c'est tout. C'est moi qui. Par contre, est-ce qu'il fait. En combien de coups on peut exploser un véhicule? On va tester. Bon, déjà, lui, il est mort. Faut lui mettre pas mal de coups quand même, hein. Ouais. Faut lui mettre pas mal de coups. Par contre, on a crevé le pneu. Regardez. On a plus de pneu. Le pneu est parti. Captain America, franchement. Il n'y a rien à dire. Il est trop puissant. Voilà, je le dis. Il est trop puissant. Il est abusé puissant. Et ouais, regardez le véhicule qui est en train d'exploser. En tout cas, c'était magnifique, les gars. J'ai vraiment kiffé être Captain America. Je sais pas si vous avez kiffé dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Si c'est pas déjà fait, activez la cloche et à me dire dans les commentaires quel prochain super-héros qu'on aille voler. C'était Captain America cette fois-ci. C'était un peu chaud, c'était tendu. Mais on a réussi à voler son véhicule. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.